C'est Ekolongo Lama. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Chers papas et mamans, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Kimbanguismes, une civilisation. Dans cette émission, nous allons parler du kimbanguisme et essayer de comprendre ce qui fait que le kimbanguisme est plus qu'une simple religion, mais toute une civilisation. Alors pour y parvenir, nous allons recevoir à chaque épisode une ou un invité qui nous racontera, expliquera, mais surtout nous apprendra cette civilisation à travers son expérience et son parcours. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre papa diacre Lukoki Mayala, qui est chercheur indépendant, mais aussi président des Lujiki de Paris-Saint-Denis. Cher papa, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci en tout cas d'avoir accepté notre émission. Comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Maman Kelvin, ça va bien, ça va bien. Pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, papa? Bon, je m'appelle Papa Mac, communément on m'appelle Papa Mac, Monsieur Lukoki Mayala. Donc je suis kimbanguiste et je suis chercheur indépendant dans le kimbanguisme. Très bien. Papa, comme nous le faisons souvent dans notre émission, nous laissons l'opportunité à nos invités de se présenter et de nous raconter un peu leur histoire et la relation avec le kimbanguisme. Pour commencer, du coup, nous allons vous demander de nous raconter comment êtes-vous devenu kimbanguiste. Et bon, moi, je suis né kimbanguiste, puisque mes parents étaient kimbanguistes. Donc, automatiquement, je suis né kimbanguiste. Donc, je suis devenu kimbanguiste depuis ma naissance, quoi. Je n'ai jamais connu une autre confession en dehors du kimbanguisme. Et à partir de quel moment, justement, vous avez pris l'importance, vous avez compris cette importance de l'église kimbanguiste au sein de la société, ou en tout cas l'importance de cette religion qui est devenue toute une civilisation dans le monde? Et comment, en tout cas, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots, comment, à quel moment vous avez pris l'importance, vous avez compris en tout cas l'importance de cette religion et cette civilisation dans votre vie? C'est justement en grandissant, on a commencé à comprendre ça, surtout quand j'ai commencé mes études à l'université. Bon, là, j'étais assez grand déjà. C'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à comprendre le kimbanguisme. Mais surtout, à partir des enseignements des papas d'Yangena Kontima, c'est ça qui m'a orienté dans le kimbanguisme. Ces enseignements étaient ce sont des enseignements qui captaient vraiment l'attention, mon attention, quoi. Et puis, c'est à partir de ces moments-là, je me suis dit, bon, il faut que j'ai fait des recherches pour comprendre ce que papa d'Yangena Kontima nous disait, quoi. Mais pouvez-vous nous raconter justement un élément important ou un événement où les mots de papa qui vous ont marqué et en tout cas qui vous ont poussé à vous investir davantage dans cette religion? Souvent les véritables mots qui m'ont poussé vraiment à faire mes recherches, c'est quand papa Dengenda posait la question « D'où est venu l'homme noir ?» Cette question-là, vraiment, me faisait tilt, quoi. À chaque fois qu'il, dans ses enseignements, à chaque fois, il revenait sur cette question-là. « D'où venait l'homme noir ? D'où vient l'homme noir ?» Et ça, moi, ça m'a beaucoup vraiment, c'est pas dérangé, mais ça m'a beaucoup fait du tilt quand j'entendais cette question-là. Et ça m'a attiré, dit, mais pourquoi il pose toujours cette question-là? D'où vient l'homme noir? Pourquoi il est à la recherche de l'homme noir? Ça m'a beaucoup attiré. À partir de ce moment-là, comme j'étais à l'université, j'ai commencé, kimbanguiste également, je me dis, bon, moi aussi, de ma part, il faut que je fasse des recherches pour comprendre cette question, d'où vient l'homme noir exactement? Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches. Et étant étudiant, justement, vous avez commencé vos recherches ou c'était à quel moment, justement, vous avez
commencé à faire vos recherches? Donc, j'étais au pays, à ce moment-là, j'étais au pays, quand j'étais dans mes études universitaires, quoi. Au pays, en RDC? En RDC, c'est ça, oui, exactement, en RDC, oui. C'est ça. À Kinshasa. À Kinshasa, okay. À Kinshasa. Et puis, j'ai réalisé en moi quelque chose, j'ai fait un rêve, quoi, un songe, quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, bon, c'est pas un hasard, quoi. Les rêves étaient comment? Donc, un matin, j'ai dormi, j'étais dans la commune de Ngiringiri, j'ai dormi un matin, et puis pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, je me suis vu, je me suis retrouvé à Monkoto. Monkoto, c'est dans la commune de Ngiringiri, c'est là où Papa Dengen habitait. Donc, dans les rêves, à Kinshasa, oui. Je me suis retrouvé devant sa résidence. Et devant sa résidence, sur la terre, j'ai fait un cercle comme ça. J'ai fait un cercle par terre. Et ça me disait que tout tourne autour du soleil avec un point au milieu. Vous voyez? C'est ça que je vis dans mon rêve. Dans mon rêve plutôt. Donc, j'ai fait un cercle sur la terre. Donc, devant mon coteau, j'ai fait un cercle comme ça sur la terre, que tout tourne autour du soleil. Et à l'intérieur, j'ai mis un point. Alors, je me réveille comme ça. C'était dans les rêves. Je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Et le matin, quand je suis réveillé, je dis, bon, il faut que j'aille à mon coteau pour voir Papa Dengenda, pour lui poser la question, qu'il m'explique ses rêves, ça signifie quoi? Et le matin, je me suis réveillé, je suis parti à sa résidence, à mon coteau, dans la commune de Ngiringiri. J'arrive comme ça, devant, il y avait, pour entrer dans sa maison, il y avait des surveillants, quoi. Je lui ai dit, bon, je suis venu pour rencontrer Papa Dengenda pour que je lui pose une question. Enfin, je voulais l'entraîner avec Papa Dengenda. Il dit, non, Papa Dengenda n'est pas là. Il dit, où est-ce qu'il est parti? Il dit, non, il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Il est parti où? C'est ça qu'ils me disent, non, il est parti en Kamba. En Kamba, oui. Mais pourquoi lui? Mais aujourd'hui, on est le 6 avril. Mmh. Oui. Il dit, aujourd'hui, on est le 6 avril. Mais vous aviez quel âge en ce moment-là? J'avais peut-être dans 25, peut-être 25, 27 quelle ans. Quelle année à peu près pour qu'on puisse nous... Je ne me rappelle pas l'année. C'était vraiment... Ouais, je me 25 ans, vous étiez donc très jeune. J'étais très jeune. C'est là que je me dis, oh, c'est le 6 avril aujourd'hui, oui, c'est le 6 avril. Papa Dengenda est parti en Kamba. Donc j'ai fait ces rêves-là un certain 6 avril. Où, sur la terre, devant mon coteau, j'ai fait un dessin qui tout tourne autour du soleil avec un point au milieu. C'est ça qui m'a fait tilt. Alors quand je suis revenu ici en Europe, j'ai commencé à faire du compte dans mes recherches. Je trouve que ce que j'avais dessiné devant mon coteau, il y avait des chercheurs également qui ont trouvé ça. Même dans l'histoire de l'Égypte, quand on fait un cercle comme ça, on représente le soleil comme ça. On fait un cercle avec un point à l'intérieur. Ce cercle-là, donc, il représentait le soleil. Bon, c'est de ça que dans la rive, c'est comme ça que tout tourne autour du soleil avec un point à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et quand je suis venu ici en Europe, je commence à faire des recherches. Je trouve que Galilée a dit, par exemple, que tout tourne autour du soleil. Alors, longtemps dans l'histoire, on disait que c'est le soleil qui tournait autour de la terre. Mais moi, quand j'ai vu ça, je n'ai jamais lu Galilée. Je ne connaissais même pas Galilée. Je ne savais même pas Galilée. Je ne le connaissais même pas du tout. Je ne lisais même pas quand j'étais encore au pays. Mais j'ai vu ça devant mon coteau. Je dessine comme ça que tout tourne autour du soleil avec un point. Je ne connaissais pas la conception de Galilée. Mais quand je suis arrivé en Europe, je commence à faire mes recherches. Je trouve que oh, Galilée nous dit que tout tourne autour du soleil. Oui. Et je me dis, bon, ce n'est pas un hasard, quoi. Et ça tombe un certain 6 à avril. Lorsque vous êtes parti voir Papa Dengenda. Papa Dengenda, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Et justement, après qu'on vous ait informé, en tout cas, qu'il n'était pas là, mais qu'avez-vous décidé de faire Après, je suis retourné chez moi à la maison et puis, dans la suite, je n'ai pas raconté Papa Dengenda. Je ne lui ai même pas dit ça. Et puis, c'est parti comme ça, quoi. Ah, vous n'avez jamais parlé de cette... Non, je n'ai jamais parlé ça à Papa Dengenda. Jamais. Mais vous avez toujours conscience, en tout cas, de l'importance de ce que vous avez vu, à partir de ce moment-là, je sais que, bon, c'est Dieu qui nous donne les songes, quoi. Ouais. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, est-ce que c'était un hasard ou bien c'est venu comme ça? Vous connaissez également l'histoire du guimanguisme, que la mission de Papa Simon a commencé un certain 6 avril. Je me suis dit que ce n'est pas un hasard. Ouais. Que ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est arrivé, que ce n'est pas un hasard pour moi. D'accord. Voilà. Et justement, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter un événement marquant dans votre vie en tant que kimbanguiste, où vous vous êtes vraiment dit, non, cette église, c'est l'église des dieux sur la terre, que les papas sont des dieux. Les événements, il y en a beaucoup. Mais ce qui m'a marqué un certain jour, c'était... au centre d'accueil, quand les différentes autorités de confession qui sont venues des États-Unis d'Amérique, c'était des Noirs américains.
Et là, c'est tout récent, du coup. Non, toujours, c'était dans les années 1986, un certain 16 décembre. 16 décembre 1986. C'est ça. Il y avait différentes autorités qui sont venues des États-Unis d'Amérique, de Boston. Ils sont venus, ils étaient dans l'invitation du président Mobutu. Donc ils sont venus seulement expérimenter quoi, l'église qui m'existe. Mais quand ils sont venus, on les a essayé de détourner un peu. Mais ces jours-là, ils ont eu l'occasion de venir au centre d'accueil. Et moi, j'étais là. Quand ils étaient restés au centre d'accueil. C'est ce jour-là que j'ai vu la grandeur du papa Daniel Nguntima. Il nous a dit quelque chose que moi, ça a dépassé mon entendement. On était au centre d'accueil kimbanguiste. Ils étaient là, les invités étaient là. On les a accueillis, on les a salués. Papa Daniel a pris la parole, il a parlé. Et ceux, ils ont parlé. Mais quand papa Daniel a pris la parole, il dit ceci. D'abord, il a demandé à la Faki de lui entonner un cantique. Alléluia. Ils ont entonné le cantique. Non. Il a demandé à la Faki, non, il n'a pas, je vais revenir. Il dit ceci, il demande d'abord à ses invités, qui étaient ces éminentes personnalités qui sont venues des États-Unis d'Amérique. Il leur demande, dit, est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse entonner un cantique avec la Faki? Et ces autorités, elle a dit, oui, papa, on me donne l'autorisation. Papa Dengen s'est déplacé au tribunal où il était, il s'est dirigé vers la Faki. Et quand il est arrivé là où il y a la Faki, il a commencé à diriger la Faki comme d'habitude, quoi, à faire chanter la Faki. Et de mes propres yeux, je vis toutes ces autorités qui sont venues des États-Unis, c'était noir américain. Ils ont quitté les tribunes où ils se trouvaient, ils se dirigeaient vers là où la Faki. Quand vous êtes au centre d'accueil, vous voyez la Faki. Les tribunes, c'était un peu plus loin. Et la Faki, c'est l'autre côté. Ces autorités-là, ils ont quitté eux-mêmes là où ils étaient aux tribunes. Et ils sont acheminés là où Papa Dagenda est en train de diriger la Faki. Et tous, ils étaient derrière Papa Dagenda. Mais dans la parole, Papa Dagenda, ce qu'il a dit, est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous faire une petite démonstration spirituelle. Ça, en tout cas, je n'ai jamais entendu Papa Dengenda dire ça. Ça fait longtemps que je le suis dans ses discours, mais entendre Papa Dengenda vous dire ça, c'est rare. Papa Dengenda, quand il commet un miracle, c'est comme ça, il commet un miracle, tout de suite, tout de suite. Mais ces jours-là, je l'ai entendu de ses propres, de sa bouche, il dit que, est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous faire une démonstration spirituelle? C'est sorti de sa bouche. C'est ce qu'il a demandé. Et quand il commençait à faire chanter la Faki, moi, de mes propres yeux, j'ai vu ces autorités-là en train de regarder les ciels. Nous tous, on était là. Ces autorités regardaient les ciels. Et il doit être même au ciel comme ça. Oui. Papa Daniel est en train de faire chanter la cantique. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez strictement rien. Nous, on ne voyait rien. Mais eux, au contraire, ils voyaient quelque chose au ciel. D'accord. Nous, on ne voyait rien du tout. Et ça, c'était des Américains. Des Américains noirs, des noirs. J'ai même la photo avec moi, la photo elle est quelque part là. Des Américains noirs. Je ne sais même pas si j'ai encore la photo là avec moi. Je ne sais pas si j'ai encore la photo là avec moi, mais il me semble qu'elle est restée. Un jour, je vais vous montrer la photo des Américains noirs là. Donc, c'était à la stupéfaction de tout le monde qui était au centre d'accueil. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en là, je me suis rendu compte que vraiment, on était en face d'une personne hors du commun. Tout le monde regardait aussi, mais nous, on ne voyait pas. Mais par contre, ces invités, les Américains, nous, et ils voyaient quelque chose qui s'est passé au ciel. Imaginez-vous, ils montraient les doigts au ciel. Et à la fin, quand Papa Benansi, qui parlait l'anglais, il s'est approché, il leur demandait, qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont dit ceci, nous avons vu une grande croix au ciel. Il dit, nous avons vu une grande croix au ciel. Imaginez-vous. Alors le papa leur demande, est-ce que vous pouvez me permettre de vous faire une petite démonstration spirituelle? C'est la première fois dans l'histoire du papa Daniel Nguntima qu'il puisse, comme je dis tout à l'heure, quand il commet les actes de puissance, il dit à personne. Mais ce jour-là, lui-même, il a dit ça de sa propre bouche, que si vous voulez me permettre que je vous fasse une petite démonstration spirituelle. Et la démonstration, il l'a fait à partir de quoi? Quand il est en train de faire chanter la Faki, c'est à ce moment-là que l'événement s'est passé. Et nous, on n'a rien vu. Mais par contre, ces invités, ils ont tout vu. Et vous semblez vraiment très passionné lorsque vous racontez même les Mais c'était ça, moi, ça me dépasse dans la vie. C'est-à-dire que j'en ai plein des événements que j'ai vu comme ça. Il y en a d'autres dans ma vie même. J'ai réalisé pas mal des événements qui me dépassent parfois. Mais celui-là, vraiment, c'est puisque c'est la première. Papa Dengen, quand il prêche, il vous prêche. Si on lui apporte un malade, tout de suite, là, il guérit. S'il apporte quelqu'un, une personne qui est décédée, il fait son miracle. Là, il peut. Puis j'ai vu ça moi-même. Il fait son miracle. Là, la personne revient à la vie, il part. Mais il n'a jamais dit que
Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous faire une petite démonstration spirituelle? Il dit une petite démonstration spirituelle. C'est lui-même qui dit ça. Et on dit, oui, allez-y, papa. Et c'est ça qu'il a fait. Et c'est quelque chose, justement, qui vous ont poussé ces choses-là, ces miracles-là que vous avez témoigné, justement, vous avez assisté lors des miracles comme ça, qui vous ont poussé, justement, à pousser vos recherches ou... C'est quelque chose qui est venu naturellement, les recherches. Non, ça fait partie des événements que j'ai vécu durant toute ma vie. Quoi. Ça fait partie des événements. Et quand je vois tout ça, ce n'est pas donné n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était hors du commun des mortels. Quoi. Voilà. Et tout ça, moi, ça me poussait toujours à dire qu'il y a quelque chose en papa d'Angenda. Donc, quand il nous dit, puisque souvent, qu'est-ce qu'il disait? Les jeunes, allez-y faire des recherches. C'est lui-même qui nous demandait d'aller faire ça. Allez-y, faites des recherches. C'est lui qui nous poussait d'aller faire des recherches. Dans son langage, c'est toujours comme ça. Les jeunes, allez-y, faites des recherches, faites des recherches. Mais pourquoi ils nous demandaient d'aller faire des recherches? C'est qu'au fond, il y avait quelque chose. Vous voyez? Et ça, moi, ça m'a poussé d'aller aussi plus loin pour faire ces recherches-là. Et surtout quand ils posaient la question de l'homme noir sur la table, ça nous interprétait, ça interprétait tout le monde, quoi. Et il y a cette phrase-là que Papa Diangenda Itira, que ouais. Cherchez d'abord qui vous êtes, une fois que vous allez découvrir qui vous êtes, ouais. C'est à partir de ce moment-là que vous allez prendre conscience de votre personnalité, vous allez prendre au sérieux votre personnalité et de votre présence ici en Europe en tant que Kimbanguiste. Ouais. Lorsque vous êtes venu ici en France, pouvez-vous nous raconter justement s'il y avait ce lien-là avec le kimbanguisme où vous avez fait vos démarches, tout s'est passé en dehors en tout cas de l'Église, où il y a-t-il un lien de votre venue ici en Europe avec le kimbanguisme? Oh, je ne sais pas si c'est papa qui a voulu que nous arrivions ici en Europe, mais c'est la volonté de Dieu toujours. C'est Dieu qui a fait que qu'on soit ici en Europe. Quoi. Mais quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, bon, pour moi, c'est une occasion d'aller encore plus loin avec mes recherches. Quoi. C'est ça tout simplement. Quoi. Et justement, si vous pouvez nous raconter un peu Ndengeni niveau Bandaki, les recherches en gros, Ezalaki Kaka. Au sein de l'Église directement, est-ce que vous avez intégré l'Église ou Bobanda Kikaka Nabandoto? Non, ma recherche, je suis allé, ma recherche est spirituelle. Donc, ça, c'est une recherche du côté spirituel. Mais il y a aussi des recherches du côté matériel. Par exemple, tu pars dans des bibliothèques, tu fréquentes des bibliothèques, tu fais des recherches à travers les ouvrages, ce que les autres ont écrit également. Tu vois ça? C'est que puisque Dieu se révèle à n'importe qui, quoi. Donc il y a des gens qui ont écrit, comment va livre le par recherche des sens. Et moi, souvent, j'ai mené pas mal de recherches dans des ouvrages que les autres ont écrits. Donc c'est-à-dire qu'à travers les ouvrages, alors qu'en Afrique, la bibliothèque est exaltée. On a comme la poteau, mais ça a des chances, mais ne pas maintenant avec ça, c'est pour moi la bibliothèque, elle est facilitée. Mais la poteau bibliothèque, elle est partout. En tout cas, sans m'éventer, je fréquente au moins 90% des bibliothèques qui sont ici en France. Ici dans la région, en Île-de-France. Au moins 90% des bibliothèques sont en Île-de-France, dans le côté en haut. Et si vous voulez beaucoup, comme on a les alliés. Et quand j'ai entendu une bibliothèque, moi, j'ai pu rester toute une journée. Ça me fatiguait même. Et la lecture, c'est ma passion. Là, vos recherches sont strictement basées sur le kimbanguisme ou parfois vous avez des recherches sur votre métier personnel ou recherche. Non, ma recherche dans le kimbanguisme, donc c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, le kimbanguisme également dans le temps. L'histoire religieuse, l'histoire de l'humanité, dans tous les sens, quoi. Même du point de vue scientifique, tout ça, ça m'intéresse, quoi. Mais là, vraiment, je me suis focalisé sur l'histoire du kimbanguisme et de la Bible également. Et surtout quand la Bible, c'est ce livre que nous utilisons tout le monde, quoi. Surtout la Bible, une histoire vraiment très, très fascinante. Donc, souvent, Nathan Rabimibi, c'est mon livre de chevet, la Bible. Ouais, c'est mon livre de chevet. Et justement, notre mission, l'intitulé de notre mission est le kimbanguisme, une civilisation. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer Bissot justement pour vous, le kimbanguisme, les alinini, puis civilisation ou... Civilisation, tant que je me suis dit comme civilisation, ce que je me suis dit comme civilisation, c'était mon français, civilisation.
par exemple quand ça va mon civilisation mindele kaka ya potoka kadon ba ki musika o ba si non donc il faut ramener l'homme à faut même mutupende sika uta pour comprendre comment civilisation wana voyez ce que le va montrer civilisation parce que mon ah civilisation il comme mindele le comme mindele tout donc bat batanga boira non bat batanga raté comprenons donc si on parle de comment civilisation il faut qu'il n'a à l'origine de l'histoire de l'humanité surtout tout aller bien Mutua uta wapi, mutua uta l'Afrique. Si je peux interpréter Yves Coppens qui dit que nous retournons linguistiquement et ethnologiquement jusqu'au cœur de l'Afrique où les hommes sont partis, où toutes les populations de l'humanité sont parties. Moi, c'est quoi? On a demandé la lobby en Yves Coppens. Tous ont été en Afrique ici comme Ngongo, nama Botanyo, Somokili, Salini et Banda. Or qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, en Afrique, c'est dans quel pays? Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que l'histoire a commencé au Congo. L'histoire a commencé au Congo. J'ai fait des recherches. L'histoire a commencé au Congo. Et vous avez des preuves de... J'ai des preuves. L'histoire a commencé au Congo. L'histoire du monde a commencé au Congo. L'histoire de Mokili Banana Congo. Tant Yves Coppens à Lubi, qui est aux zones linguistiquement parlant et ethnologiquement parlant jusqu'au cœur de l'Afrique. Du point de vue ethnologique et linguistiquement, il y a une langue qui est au Congo. Enfin, on parle de langue bantou, c'est l'ensemble de la langue bantou. Mais dans toutes les langues bantou, la mère des langues, c'est le Kikongo. Le Kikongo, c'est au Congo. Quand je parle du Congo, c'est le trois Congo. Alors, ce que tu es dans le Congo, tu es quelque part, Adam même a été créé au Congo. Vous voyez? Donc, tu es un peu comme ça au Congo. Or, Adam a été créé sur la terre d'Nkamba. Vous voyez maintenant? Donc, la civilisation a commencé par là où Dieu a créé Adam. Adam a créé Nkamba, donc la civilisation a commencé avec l'homme qu'il a créé. Or, l'ekimbangisme, donc c'est là que se trouve le berceau même de l'homme, en Kamba. Or, l'ekimbangisme est né là où Dieu a créé le premier homme de l'humanité. Donc, quand vous parlez d'ekimbangisme, c'est civilisation, mais c'est-à-dire qu'on est tenté de renouveler cette civilisation qu'on a perdue, que l'homme a perdue. Et l'ekimbangisme, c'est cette religion, c'est cette doctrine-là qui est tentée de renouveler ce que nous avons perdu. Vous voyez ? Et ça, c'est l'ekimbangisme a son berceau là où Dieu a créé l'homme. Mais c'est quoi une civilisation? Mais une civilisation, c'est un ensemble de caractères spécifiques d'une nation. L'ensemble des caractères spécifiques d'une nation, par exemple, la science, la technologie, tous ces éléments-là, ça fait partie de la civilisation. Comme aussi la religion aussi. D'accord. Et actuellement, au Congo, nous avons, enfin, je veux dire, la civilisation, en tout cas, qui domine le Congo, ouais. Je ne dirais pas que ce soit le kimbangisme. Non, le kimbangisme est la base de tout. Les gens vont comprendre ça à l'avenir. Je veux dire que, par exemple, Adam a été créé sur la terre d'Nkamba. Aujourd'hui, sur cette terre d'Nkamba, c'est le berceau même du kimbangisme. Vous comprenez? C'est le berceau du kimbangisme. C'est le berceau même de l'homme. Donc, le kimbangisme est en train de nous faire revenir, de nous faire renouveler certaines choses que nous avons oubliées dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est ça. Et vous allez voir même, quand je vous parle aujourd'hui, par exemple, la date du 6 avril. Comme les gens savent qu'Adam a été créé le 6 avril. Adam a été créé le 6 avril. Et quand Papa Simplement, le 6 avril, c'est cette même terre-là d'Nkamba, pose un acte de puissance. Tu vois? Il pose un acte de puissance le 6 avril, c'est la même terre d'Nkamba. Ouais? Où Dieu a créé l'homme. Donc c'est quelque chose que nous ramenons toute la civilisation du monde jusqu'en Nkamba. C'est ça que nous voulons faire maintenant. Donc ramener toute l'histoire de l'humanité, ramener tous les hommes pour les faire revenir au point de départ où nous sommes partis. C'est Nkamba. Le pivot. La base même de l'humanité. Oui, mais... Actuellement, justement, nous avons le monde, en tout cas, même au sein de l'église kimbangiste, les gens qui hésitent ou en tout cas qui doutent du caractère de Papa Simon Kimbangu Kiangane lui-même. Ouais. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas sûrs qu'il soit vraiment Dieu le Saint-Esprit. Mais comment pourrions-nous justement suivre cette nouvelle civilisation lorsque nous ne sommes pas convaincus de la personne même du dirigeant, si je peux dire comme ça? De lui-même, nous hésitons en tout cas de sa fonction, de sa personnalité, de son identité. Qui il est? Comment pourrions-nous justement dupliquer cette civilisation dans le monde entier lorsque nous-mêmes, en tant que kimbangistes, nous sommes dans l'hésitation, dans les doutes? Non, il n'y a pas de doute. En Papa Simon Kimbangu, il n'y a pas de doute. En kimbangisme, il n'y a pas de doute. Nous, on est sûr, très sûr, même à 100%. C'est-à-dire que ce que je vais demander aux autres, maintenant, si quelqu'un a un doute, mais qu'il sait expérimenter Dieu, qu'il mène Dieu à l'épreuve. Qu'il mette Papa Simon Kimbangu à l'épreuve et il va comprendre. C'est-à-dire, mettez Papa Simon Kimbangu à l'épreuve. Du temps de Papa Dangienda, si quelqu'un doutait sur Papa Dangienda, il fallait que cette personne puisse mettre Papa Dangienda à l'épreuve pour qu'il se voie que oui, il est qui? Le chercher, le découvrir.
Il dit que, par exemple que nous devons nous découvrir nous-mêmes. Mais maintenant, si toi tu as un doute sur une personne, mais mets cette personne à l'épreuve, tu as une épreuve au la sukazalina. Donc, des gens qui ont des doutes sur papa Semo qui m'a gagné, mais mettez papa Semo qui m'a gagné à l'épreuve. Comme ce monde est Azali, nan. À ce moment-là, je voulais comprendre que Mouton Azali en face naïe, et ça Mouton Moussouté, Aza Mouton Moussouté, et ça le col en Haïti. C'est ça qu'on fait dans la vraie recherche, c'est ça. Ce n'est pas seulement parler dans les télévisions. Non. Abordez cette personne, voyez-les, parlez avec lui, commentez bien, essayez bien. Même faire une recherche spirituelle. Même spirituellement, on peut faire une recherche. Spirituellement parlant, quand on a ma bonne de naïo, ça va gêner naïo. Nzambe, l'exemple, peut même pas se mettre qui manque en Azali, nan. À ce moment-là, Nzambe, à Roulak Sayo. Tu vois, l'action de Boulibo, comme ça, il dit, ah, Mouto, yo, Azali, Bouna, Bouna, Bouna. Mais si c'est pour parler comme ça, moi, je ne vois pas comment je peux soutenir des pareils arguments. La vraie recherche, c'est, quand on contacte Naïe, soit du point de vue spirituel, soit du point de vue même matériel, mais tu as une épreuve que, yo, ce que Zali, Nzambe, ce que Zali, Bouna, Bouna, Bouna. L'action que yo, Zali, Sikawana. Oui, justement, pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la date du 6 avril, vous pouvez justement revenir là-dessus et nous raconter un peu si vos recherches par rapport à cette date vous ont perturbé dans le bon ou dans le mauvais sens. Hein. Ouais. Nous expliquer justement ce que vous avez découvert et si vous pouvez le partager avec notre espèce. Voilà, la recherche de date du 6 avril m'a amené quelque chose au moins. Ça m'a apporté un point, quelque chose de très important. C'est pour cela même que nous avons fait cette revue-là, qu'on appelle l'eau du centenaire du papa de Lungana. Nous avons réalisé cette revue-là. La revue, elle est là. On l'a publiée en 2016. C'était l'eau du centenaire du papa de Lungana Kiangan. Et dans cette revue-là, j'ai introduit un calendrier. Un calendrier de l'Exode. Il y a un calendrier de l'Exode qui est là-dedans. Et dans ce calendrier de l'Exode, nous allons voir la date du 6 avril. À quoi ça. Que cette date du 6 avril se trouve dans la Bible. Qui se trouve dans la Bible, et nous avons dressé, reconstitué le calendrier de l'Exode des Hébreux. Et c'est ce qui m'a frappé que, après avoir fait ce travail-là, j'ai remarqué que toutes les dates liturgiques des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte se sont revenues dans l'histoire du kimbanguisme. Toutes les dates sont revenues dans l'histoire du kimbanguisme. Et c'est ça qui m'a fait le tilt. La première personne que je vais intéresser, par exemple, Papa Dengien, quand il dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte un certain 6 avril. Et je me suis dit, mais comment Papa Dengien doit savoir que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte un certain 6 avril? Comment il a su? Comment il a su? Je me dis, mais comment? À cette époque-là, il n'était pas là, mais comment il a su cela? Et ça, ça m'a poussé d'aller plus loin qu'on fait des recherches. Et j'ai fait des recherches, et dans ces recherches, j'ai vu, il avait raison. Il avait tout à fait raison. Tout à fait raison. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à découvrir tout cela, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose d'étonnant. Je comprends pas. C'est pour ça que nous avons essayé de reconstituer le calendrier de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et ce calendrier est en connivence même, en rapport même avec l'histoire du kimbanguisme. Pouvez-vous justement nous décrire, ou en tout cas nous donner les détails de ce calendrier-là? Voilà. Les détails, ils sont très simples. Bon, que toute personne qui est à la maison, qui a une Bible, qu'il prend sa Bible avec lui, je vais vous donner certains passages. Ces passages-là, donc c'est-à-dire que pour arriver à la reconstitution de ce calendrier, j'ai utilisé 5 données moins. 5 données. D'abord, le premier donnée, ça vient de la Bible. J'utilise la Bible. Le deuxième donnée, c'est le judaïsme, vient du judaïsme. Le troisième donnée, c'est les données kimbanguistes. Le quatrième donnée, c'est les données des hommes de science. Vous voyez, j'ai utilisé moi 4 données pour arriver à rétablir l'histoire, le calendrier de l'Exode. Donc toutes ces données, tout un chacun peut les consulter. J'ai rêvé d'abord la Bible, de 2, l'histoire du judaïsme, de 3, le kimbanguisme, de 4, les recherches scientifiques de chronologie et des astronomes. C'est vraiment super intéressant. Les astronomes qui sont ici à Paris, qui sont partout au monde, qui de même des ouvrages, allez consulter ces ouvrages-là. Vous allez voir que j'ai fait état de toutes ces données et j'ai collectionné toutes ces données et ces données m'ont permis de reconstituer le calendrier de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, qui est en correspondance aujourd'hui avec l'histoire du kimbanguisme. Super, papa. Je me permets de vous couper un peu. Je vous laisse un peu souffler et nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons écouter une petite chanson. Et à tout de suite.
Ata ofi.
Merci beaucoup à la régie pour ces cantiques. Comme vous le savez, toutes les chansons kimbanguistes sont inspirées et non composées. Il est même écrit dans la Bible que Dieu, lorsqu'il nous demande de le glorifier, de le louer, on doit le glorifier et le louer avec des cantiques inspirées et non composées. Merci beaucoup, Papa Mayela, pour votre présence ici dans notre mission, les kimbanguismes, une civilisation. Nous nous sommes arrêtés avec le calendrier. Si vous pouvez justement nous étaler vos recherches et nous donner un peu plus de détails sur ce que vous avez trouvé. Bon, merci beaucoup de la parole que vous venez de m'accorder. C'est-à-dire, comment nous sommes arrivés à établir le calendrier de la sortie des Hébreux en Égypte? Quand on lit la Bible, je vous renvoie, si quelqu'un a la Bible chez lui à la maison, il peut ouvrir la Bible, allez dans l'Exode chapitre 12. Dans l'Exode chapitre 12, c'est le premier verset. Là, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois, et sera le premier des mois de l'année. Ça vous parle dans l'Exode, chapitre 12, premier verset, vous allez lire ça. Donc l'Éternel dit à Moïse que ce mois ici sera pour vous le premier des mois, et sera le premier mois de l'année. Ça c'est la première, c'est une première donnée biblique. La deuxième donnée biblique, c'est celle-ci. Dieu dit aux enfants d'Israël, le dixième jour, on prendra l'agneau. On continue. Troisième donnée, Dieu dit aux enfants d'Israël que vous gardez cet agneau jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour, vous allez l'immoler, vous allez le tuer. Ça, c'est une autre donnée biblique. Si vous allez au nombre 3, il y a encore une autre donnée biblique qui concerne le calendrier. La Bible dit ceci, il partit de Ramsès les premiers mois, les 15e jours du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée. Ça, c'est une autre donnée également qui concerne le calendrier. Si vous allez au Exode chapitre 19, verset 1, on nous dit ceci. Les troisième mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert du Sinaï. Donc là, on a mis un certain nombre de données que nous avons puisées dans la Bible. Donc tout un chacun qui a une Bible à la maison, ouvre ta Bible, je viens de vous communiquer tous ces chapitres-là. Lisez très bien. On remarque quelque part, qu'il y a un calendrier qui est déjà établi. Puisqu'il parle, ce mois-ci sera votre premier mois. Où il dit que le dixième jour de ce mois, vous allez prendre un agneau, attacher un agneau. Où il dit que le 14e jour de ce mois, vous allez l'immoler. Et puis il dit que les enfants d'Israël partent de Ramsès le 15e jour du premier mois. Et il dit le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Donc on voit tout un calendrier qui a été établi par Dieu lui-même. Maintenant, mon souci, c'était quoi? Mais comment, par quel point allons-nous commencer ce calendrier? Nous utilisons le calendrier grégorien. Mais eux, à l'époque, il n'y avait pas le calendrier grégorien. Mais maintenant, comment allons-nous faire pour reconstituer ce calendrier biblique? C'était mon souci. À chaque fois que je lis la Bible, j'arrive là, je dis, c'est pas possible. Mais comment aller faire? Et ce qui m'a fait tirer d'abord, c'est ceci. Quand je vois dans les fêtes de l'église kimbanguiste, le 22 mars, c'était le jour de la naissance de Papa Danyenda. Le 6 avril, c'est le jour que Papa Simbu Kimbangu a commencé son ministère. Et dans la Bible, quand vous lisez, on dit que le mois des Hébreux, quand vous parlez, par exemple, ce mois-là, quoi, qu'on appelle le mois des Épis, c'était la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Alors, quand je vois la fin du mois de mars, je trouve une fête qui m'agisse le 22 mars. Et quand je viens au début du mois d'avril, je trouve une fête qui est le 6 avril. Je me suis dit, mais quelque chose qui ne cloue pas. Mais pourquoi ces fêtes-là viennent en correspondance avec ce qui se trouve dans la Bible? Moi, je me suis dit, non, il y a quelque chose au moins. Je dis, bon, je dois continuer mes recherches. Mais les problèmes que j'avais, comment j'allais commencer ces mois? Dieu lui-même dit que ce mois-ci sera le premier de votre mois. Mais comment s'y prendre? Par où commencer? Par quel point commencer? C'est là étaient les vraies problématiques. Et c'est là que j'ai dit, bon, comment je dois arriver à prendre les premiers jours-là, de ces mois-là? J'ai continué à faire mes recherches. Et là, je me suis retourné par d'autres chercheurs. Ils sont des scientifiques également, des astronomes et des chronologistes. Et j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle, enfin, un savant chronologiste qui s'appelle Alphonse de Vignol. Alphonse de Vignol, lui aussi, il a fait cette étude-là. Il a créé un grand ouvrage qui est vraiment très intéressant dans la chronologie sainte. Et dans son ouvrage-là, il a fait également une étude sur ce calendrier-là. Alors, j'ai vu qu'il a trouvé les premiers jours de ces mois-là. Mais comment lui est arrivé à trouver ses premiers jours? Même lui-même, il était dans des difficultés. Il s'est retourné vers les astronomes, les savants astronomes.
Donc, il a contacté quelques savants astronomes à cette époque-là qui lui ont essayé de le guider pour lui montrer un peu à faire, pour lui faciliter quoi, son travail. Donc, il a demandé à un savant qu'on appelle Kircher. Mais ce Kircher était un grand savant astronome ici à Paris, à l'Observatoire de Paris. Donc, M. Kircher était versé dans la science astronomique, quoi. Alors, M. Kircher lui a fait un calcul là-dessus. Puis, pour arriver à comprendre le premier jour du mois, il faut savoir à quelle époque la Lune entre en conjonction avec le Soleil. C'est ça qu'il faut savoir. Et quand la Lune entre en conjonction avec le Soleil, la Lune est cachée par le Soleil. Il faut attendre un certain temps. Il peut faire, par exemple, un jour et deux jours. Après, la Lune se dégage du Soleil. Il est visible, mais à l'œil nu. Alors, c'est savant-là qu'elle a fait ces observations-là sur le méridien d'Alexandrie, puisque ici, il s'agit des enfants d'Égypte, les Israélites qui se trouvaient en Égypte. Et sur le méridien d'Alexandrie, ils ont dit qu'à l'année même où les savants, la chronologiste, Alphonse de Villon, puisque lui, il a mis la sortie des enfants d'Israël en Égypte, c'était en 1645 avant Jésus-Christ. 1645 avant Jésus-Christ. Bon, alors, les savants Kircher, quand il a observé dans ses observations, il a fait les calculs, puisque actuellement, avec la science, on peut calculer à quel point s'est trouvé le soleil et la lune en telle année qui s'est passée. On peut aller même en 1921. Les scientifiques vous disent qu'en 1921, le soleil et la lune se sont rencontrés à tel point du ciel. Actuellement, avec la science, c'est comme ça. Et ces savants-là, il a remonté même l'histoire de l'humanité. Ils ont observé que non. À l'époque où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, le soleil et la lune sont entrés en conjonction et c'était le 20 mars, sous le méridien d'Alexandrie. Puis c'était en Égypte, méridien d'Alexandrie. Puisqu'avec les méridiens, on peut calculer même l'équinoxe. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, il fallait attendre maintenant que le soleil et la lune soient visibles. Mais ils ont dit que c'était deux jours avant. Si deux jours avant le soleil, deux jours après le soleil n'est pas visible, on fait une moyenne. Mais ils ont rencontré, non, le soleil était à Paris, était visible à partir de la date du 22 mars. Ils ont dit que ce 22 mars-là doit être considéré comme le premier jour du mois dont Dieu dit que ce mois ici, ce sera votre premier mois. Donc, le savant Alphonse de Vignol, donc, il a pris ces données-là, qu'il a intégrées dans son calendrier qu'il a établi. Oui? Donc, le 22 mars correspondait au premier Nissan du calendrier hébraïque. Oui? Donc, c'est le point de départ de ces mois-là. Maintenant, à partir de ce moment-là, avec les données qu'on a, on peut reconstituer tous les calendriers. Oui? C'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Évidemment, en faisant la correspondance entre le mois du calendrier grégorien et le mois du calendrier des Hébreux. Parce que les Hébreux, on n'a pas les mêmes mois. Non. C'est ça. Donc, il faut connaître cette correspondance-là. C'est pour cela, quand on va vous montrer avec les écrans, on va vous montrer que le mois des Hébreux, il y en a 12 mois aussi. Le mois du calendrier, il y en a 12 aussi. Et chaque mois n'a pas le même nombre de mois. Par exemple, chez nous, avec le calendrier grégorien, vous avez des mois qui ont 30 jours et des mois avec 31 jours. Maintenant, quand tu fais cette correspondance, il faut tenir compte de tout cela. Et c'est ça que j'ai fait, moi. Alphonse de Vignon, il a fait lui-même. Il a fait, moi aussi, j'ai regardé son calendrier, j'ai fait sur les miens. Mais moi, j'ai fait la correspondance entre les calendriers julien, bien grégorien, avec les calendriers des Hébreux. Lui, il a fait la correspondance entre les calendriers des Égyptiens et les calendriers julien. Oui, c'est ça, tout simplement. C'est là la différence entre lui et moi. Et moi, quand j'ai fait ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert pas mal de choses. Et quand j'ai fini mon travail à la fin, je me suis rendu compte que j'ai trouvé pas mal des événements, des dates où l'histoire, enfin, des événements qui sont répétés. D'accord. Oui. C'est-à-dire que j'ai trouvé que certaines fêtes que le judaïsme fêtait, certaines fêtes que les enfants d'Israël fêtaient à cette époque-là, se sont renouvelées au sein du kimbanguisme. Par exemple, le 6 avril. Puisque les enfants de Israël sont sortis le 6 avril. Donc, toute personne qui est à la maison, si vous voulez comprendre ça, c'est très facile. Donc, si vous avez un portable, faites l'application calendrier. Si vous n'avez pas un portable, prenez par exemple un calendrier, n'importe quel calendrier, grégorien que nous avons actuellement, mettez ça à côté de vous et on va essayer de naviguer ensemble avec vous pour vous montrer ça, comment je suis arrivé là. Donc, très facilement, je vous ai dit que le mois de Nissan, le point de Nissan, c'est ce mois qui est en rapport avec la fin du mois de mars et début du mois d'avril. C'est ça, dans le calendrier grégorien. Parce que leurs mois sont à cheval sur le mois du calendrier grégorien. C'est ça, leurs mois sont à cheval. Donc, pour être encore plus explicitif, donc, ce calendrier actuellement, c'est le même calendrier qui s'est répété en l'an 2022.
Donc, toute personne qui est à la maison, regarde ton calendrier l'an 2022. Puisque sinon, vous n'allez pas me comprendre. Donc, regarde ton calendrier l'an 2022. C'est ce même calendrier qui a été quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est le même calendrier. Et c'est le même calendrier qui s'est reproduit quand Papa Simon a commencé son ministère le 6 avril 1921. Vous voyez? Donc, pour être très facile, prenez ce calendrier et vous allez suivre petit à petit comment on va partir. Donc, quand vous prenez ce calendrier de l'an 2022, vous allez observer que, je vais prendre ça, moi j'ai mon calendrier de l'Exode là, vous allez prendre, moi, que mardi, c'est mardi là. Donc, je dis que le 22 mars correspond au premier Nissan. Hein? Écoutez-moi bien, le 22 mars correspond au premier Nissan. Vous allez remarquer, cette année ici, le 22 mars était un mardi. Oui. Cette année ici, le 22 mars était un mardi. Bon, ce mardi-là est pris comme le premier jour du mois de Nissan des Hébreux. Alors, les deux Nissan devaient correspondre au 23 mars. Les trois Nissan devaient correspondre au 24 mars. Les quatre Nissan au 25 mars. Le samedi 5 Nissan correspond au 26 mars. Dimanche 6 correspond au 27. Lundi 7 Nissan correspond au 28 mars. Mardi 8 Nissan correspond au 29 mars. Mercredi 9 Nissan correspond au 30 mars. Jeudi 10 Nissan correspond au 31 mars. Et le vendredi 11 Nissan correspond à notre 1er avril. Le 12 Nissan correspond au 2 avril. Le 13 Nissan correspond au 3 avril. Le 14 Nissan correspond au 4 avril. Et le 15 Nissan correspond au 5 avril. Mercredi 16 Nissan correspond au 6 avril. Vous allez remarquer que dans le calendrier que nous avons aujourd'hui, le 6 avril sera un mercredi. Or, quand les enfants des Israélites sont sortis de l'Égypte, c'est ce calendrier que j'ai établi. J'ai trouvé que le 6 avril est également un mercredi. Vous voyez? Bon, maintenant, la différence entre moi avec les savants Alphonse de Vignol, c'était quoi? Alphonse de Vignol, quand il a établi son calendrier, lui, il a placé le premier Nissan était un jeudi. Lui a dit le premier Nissan était un jeudi. Moi, je me suis dit, je ne le suis pas. Moi, je me suis inspiré de Papa Dangenda et de Papa Simo Kimankangani. Papa Simo Kimankangani, quand il prend la parole, en parlant de l'Exode, il dit ceci. Les enfants d'Israël sont sortis un certain mercredi. Ça, il le répète tout le temps. Je demande au Kimangis de suivre les paroles de Papa Simo Kimankangani. Il le dit tout le temps que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte un certain mercredi. Alors, moi, je me suis dit, je ne me confie pas à ces savants. Moi, je vais expérimenter les paroles de papa. Est-ce réellement ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou pas vrai? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé que, comme les enfants d'Israël sont sortis un mercredi, et ce mercredi, c'était le 6 avril, j'ai remonté, voyez, j'ai remonté mon calendrier jusqu'au 22 mars. Et en remontant les jours de la semaine, j'ai trouvé que le 22 mars de l'année où les enfants des Israélites sont sortis de l'Égypte était un mardi et non un jeudi. Mais le savant, lui, dans son travail, il a mis que c'était un jeudi. Mais moi, je me suis référé aux données du Kimbanguisme. C'est quoi les données du Kimbanguisme? Aux paroles de nos papas. Quand papa dit que les enfants des Israélites sortaient de l'Égypte, un certain 6 avril qui était un mercredi. Et à partir de ce mercredi-là, j'ai remonté. J'ai trouvé que le 22 mars était un mardi. Ça, c'est la première donnée que je vais vérifier dans mon calendrier. Deuxième donnée. Papa Simon Kimankangani nous dit que la loi a été donnée un certain mercredi. Mercredi. Vous voyez? Bon. Il faut que je vérifie ça également dans mon calendrier. Si je ne trouve pas ça, c'est que je suis dans un mauvais. Dans la fausseté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je continue mon calendrier. Et quand je continue mon calendrier, je trouve que, effectivement, la loi a été donnée un certain mercredi. Vous voyez? À ce moment-là, je confirme que Papa Simon Kimankangani avait raison de dire que les enfants d'Israël sont sortis un certain 6 avril, un mercredi. Et Papa Daniel aussi avait raison de dire que les enfants d'Israël sont sortis le 6 avril. Mais maintenant, c'est là que je me suis posé pas mal de questions par rapport aux chercheurs, aux autres chercheurs, par exemple. Vous voyez ce que je voulais dire? Alors, maintenant, avec ça, si vous prenez la Bible, on nous dit que le 10e jour, Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Le 10e jour, ça ne correspond pas qu'un jour, ça correspond au 31 mars. Et mon calendrier que j'ai établi. Le 10e jour correspond au 31 mars. Et quand vous prenez le même calendrier l'an 2022, c'est presque le même calendrier qui s'est répété. Du point de vue jour de la semaine et jour du mois. Ce sont les mêmes jours de la semaine qui sont revenus et le même jour du mois. Donc, le 10 Nissan, Dieu demande aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Ça correspond au 31 mars.
Les 14, il leur dit ceci, les 14, vous allez attacher cet agneau. C'était les quatre villes. Vous voyez? Et Dieu dit, nous avons dit qu'il part dans nombre 3, il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Vous allez voir, le 15e jour, c'était le 15 Nissan qui correspond au 5 avril. Oui, ça correspond au 5 avril. Un mardi. Et c'est moi, cette année aussi, le 5 avril, c'était mardi. Or, les enfants d'Israël sont sortis le 6 avril. Le lendemain, ils sont sortis. C'était le 6 avril. Et c'était un mercredi. Vous voyez? Donc, on peut connaître ce calendrier. Maintenant, allons plus loin. Quelque part, dans Exode 19, premier chapitre, il dit ceci. Premier verset dit ceci. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Maintenant, comment je vais calculer ce troisième mois-là? Comment je vais trouver la journée? Déjà, j'ai une donnée qui m'existe. Quand papa dit que les enfants d'Israël, non, non, la loi a été promulguée un certain mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, comment j'ai trouvé cette journée-là? Comment je vais dire que c'est exact ce que je vais faire mes recherches? Et là, je me suis retourné vers les rabbins, enfin les juifs, quoi. Les rabbins et les caraïtes. Et ils disent quoi? Et dans leurs écrits, ils disent que la loi a été donnée un certain 6 suivants. Dans leur calendrier, la loi a été donnée un certain 6 suivants. À part ça, ils disent également que la loi a été donnée 50 jours après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Oui. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. Le mot Pentecôte, c'était un mot grec, qui signifie 50. Et le premier Pentecôte, c'est ce Pentecôte qui a été célébré par les enfants d'Israël, le jour même que Dieu a donné la loi. 50 jours après la sortie d'Égypte. Maintenant, je vais vérifier si c'est vrai. Si je vais tomber dans le même calcul, dans la même date, du point de vue semaine que papa nous a donné, un certain mercredi. J'ai commencé à... J'ai compté mon calendrier. Et quand vous prenez le calendrier que vous avez tout de suite là, même à la maison, prenez votre calendrier de l'an 2022. Commencez à compter à partir du 6 avril. Quand vous commencez à compter à partir du 6 avril, premier jour, comptez 50 jours. Le 50e jour tombe le 25 mai. Tout qui manque ce qu'il y a à la maison, prenez votre calendrier, faites un travail là-dessus. Prenez votre calendrier l'an 2022. Pourquoi j'ai dit l'an 2022? Ce calendrier de l'an 2022, c'est le même calendrier qui s'est reproduit quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est le même calendrier qui s'est reproduit quand Papa Simon Kimbang a commencé son ministère en 1921. C'est le même calendrier que nous avons aujourd'hui, 100 ans après l'existence de l'Église Kimbangiste. La première année correspond à l'année où quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Tu vois? Donc, tout Kimbangiste qui est à la maison, prends ton calendrier. Tiens un portable avec toi. Fais l'application calendrier. Regarde l'année où nous sommes aujourd'hui. Vous pouvez également aller plus loin, puisqu'avec l'Internet aujourd'hui, tu peux remonter même dans le temps. Tapez calendrier 1921. Vous allez trouver ça. Vous allez voir que le calendrier 1921, c'est la même chose que le calendrier d'aujourd'hui. Papa, justement, qu'est-ce que cela veut dire, justement, l'effet? On va arriver. D'accord. On va arriver, maman. On va arriver. D'accord. Puis d'abord, on explique aux gens, et à la fin, on va tirer des conclusions. On d'accord. va vous dire pourquoi cela. Très bien. Ouais. Donc, ça revient. Et quand j'ai fait mon calendrier, exactement, quand je compte 50 jours à partir du 6 avril, le 50e jour tombe un 25 mai. Et ce 25 mai était un mercredi. Oui. Donc, papa avait raison de dire que la loi a été promulguée un certain mercredi. Vous voyez ce que je dis? C'est ça que j'ai trouvé dans mon travail que j'ai fait. Là, quand j'ai reconstitué les calendriers de l'Exode des Hébreux, j'ai trouvé que le 25 mai, cette année-là, le 25 mai était un mercredi. Et c'est ce jour-là que Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Donc la loi a été promulguée le 25 mai, un certain 25 mai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai constaté tout simplement que toutes ces dates revenaient. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce que ça, c'est un hasard ou quoi? C'est là que je vais maintenant. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce n'est pas un hasard? Dans la Bible, Dieu dit ceci. J'ai créé le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les époques. Pour que cela soit des signes pour vous, afin que vous puissiez marquer les époques. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Les enfants d'Israël sont sortis le 6 avril. Or, d'après les calculs des astronomes, hein, les scientifiques, l'équinoxe a eu lieu le 5 avril. L'équinoxe a eu lieu le 5 avril. Et les enfants d'Israël sont sortis le 6 avril. Alors, la question que je me pose, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu a placé la sortie des enfants d'Israël au point équinoxial? Pourquoi? Papa, juste pour clarifier quelques mots, nous expliquer allez, justement allez.
L'équinoxe. L'équinoxe signifie égalité. L'équinoxe, c'est le moment où la durée de la journée égale à la durée de la nuit. Ça, c'est purement scientifique. C'est-à-dire que l'inclinaison de l'écliptique, hein, l'inclinaison de l'écliptique, c'est l'équateur céleste. Donc, le soleil coupe l'équateur céleste en un point. Et à ce point-là, c'est ce phénomène qui se réalise au ciel qu'on appelle l'équinoxe. Donc, le soleil, quand il part vers l'hémisphère nord, il rencontre sur son parcours la projection de l'équateur céleste. Et il se rencontre quelque part, il s'allie sur la même ligne avec l'équateur céleste. C'est ce moment-là qu'on parle de l'équinoxe. On appelle ça, on appelle l'équinoxe du printemps. Oui. C'est ce moment-là où la durée de la journée égale à la durée de la nuit. C'est-à-dire que tous les pays qui sont alignés sur la ligne équatoriale ils ont une durée de la journée égale à la durée de la nuit. Mais quand on s'écarte de la ligne équatoriale en allant vers le nord, peut-être ici en Europe, ça change, le temps change quoi. C'est pour ça ici en Europe, on dit par exemple, ajouter une heure, soustraire une heure, c'est pour cela. Mais nous en Afrique, la durée est toujours la même chose, puisque nous, on est aligné sur la ligne équatoriale, surtout le Congo. D'accord. Tous les pays qui sont alignés sur la ligne équatoriale, chez eux, l'équinoxe est permanent. Oui, c'est comme ça. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a choisi ces points-là? Alors que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard, puisque la plupart des scientifiques qui ont étudié l'histoire de l'humanité ont découvert qu'il y a pas mal de choses qui se passent au point équinoxial. Je vais vous donner un indice, par exemple. En 1910, Papa Simon Kimbangu prédit la naissance de Papa Dengenda. Il dit que je vais renaître pour une deuxième fois. Je vais renaître pour une deuxième fois. Il a dit en 1918. Vous savez, en 1918, Papa Dengenda est né quel jour? Papa Dengen est né le 22 mars. Le 22 mars. Et Papa Dengen est né au point équinoxial. En 325, les empereurs ont déterminé le jour de l'équinoxe le 21 mars. Le 21 mars. Papa Dengen est né quel jour? Le 22 mars. Vous voyez? Mais comment Papa Simon Kimbangu a fait pour trouver cette date-là? Puisqu'il a dit, je vais renaître en 1918. Mais comment il a... Il a prédit en 1910. D'accord. Il a annoncé que je vais renaître une deuxième fois. Mmh. Et quand il est né pour une deuxième fois, il est né au point équinoxial. En 1918. En 1918. Regardez, prenez l'internet, tapez dans l'internet, l'équinoxe. Tapez dans l'internet, vous allez trouver ça. Le 22 mars, donc, l'équinoxe a eu lieu le 21 mars. Et le 22 mars, c'était la naissance de qui? De Papa Dia Dengenda. Les enfants des astres sont sortis le 6 avril. Et le 5 avril, c'était quoi? L'équinoxe du printemps. Là, au méridien d'Alexandrie. Vous voyez? Mais pourquoi Dieu a fait correspondre cette sortie des enfants avec l'équinoxe? Mais ça a un impact. C'est-à-dire que c'est là où même le religieux doit faire un effort de comprendre cette matière-là. Puisque les scientifiques ont tout compris. Les hommes de science ont tout compris. Maintenant, les hommes religieux, ils ne suivent pas les scientifiques. Ça crée un décalage. Or, les hommes de science ont trouvé pas mal de choses dans leurs recherches. Que les hommes religieux peuvent prendre ça aussi et essayer d'étudier la Bible d'une façon plus approfondie. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les scientifiques sont en train d'expérimenter les données bibliques. Les scientifiques. Sans pour autant faire le lien avec Dieu. C'est-à-dire que les scientifiques sont en train d'expérimenter les données bibliques. Maintenant, les hommes de religieux doivent faire un effort d'aller vers les scientifiques, comprendre qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Puisque, quelque part, c'est dit dans la Bible, par exemple, tu vas trouver, non, il y a quelque chose qui ne clôt pas. Puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle scientifique, ils étaient des prêtres. Ils étaient des prêtres. En Égypte, il n'y a pas de scientifiques. Ils étaient des prêtres, tout simplement, qui étaient vexés dans l'étude du lien entre les célestes et les terrestres, entre Dieu et les hommes. C'est ces hommes-là qui ont commencé à inventer la science. Mais aujourd'hui, ces prêtres sont devenus des scientifiques aujourd'hui. Et ça fait créer une fossé entre la science et la religion. Alors que hier, la science et la religion, c'est quelque chose qui était ensemble. Ce qu'on appelle aujourd'hui les scientifiques, c'était des prêtres. Oui. Alors, c'est pour ça que je dis que la science est tellement avancée qu'ils ont trouvé pas mal de choses que si on ne fait pas attention, et ils se posent des questions. Voilà la raison pour laquelle la science aujourd'hui est en train de trouver la vraie religion, la meilleure religion du monde. Ils sont à la recherche de cette religion-là. Ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche des religions. Voilà. Ils n'ont pas encore trouvé. Il y a d'autres qui ont trouvé, mais les autres n'ont pas encore trouvé. C'est la raison pour laquelle, quand Papa Simon Kimbangu dit que, par exemple, que Batuyama Yele, Batuba Ngomba, Bakosangana, Bakoyokulukananinza, tu vois ça? C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangu a dit certaines choses, nous devons faire très attention. Quand il dit que Batuyama Yele, Nabakonjama Ngomba, Bakosangana, Bakoyokulukananinza, Mbeloko Yakina Congo. Mais Papa, justement, comment
C'était où justement la limite dans les recherches justement entre les scientifiques et parce que dans la religion, nous allons plutôt aller nous allons plus nous concentrer dans la prière pour chercher les révélations par les songes où Dieu va te parler à travers la Bible. Ouais. Mais lorsque nous faisons plus de recherches scientifiques, nous allons plus dans tout ce qui est écrit, tout ce qui est les auteurs qui sont pas forcément chrétiens, qui ne sont pas généralement, je dirais même pas du tout religieux, mais lorsque nous, chrétiens, allons vers ces hommes-là, parfois nous allons découvrir des choses qui vont souvent à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Mais quelle est justement la limite, lorsque nous faisons des recherches, à voir ce qui est des dieux, ce qui n'est plus des dieux? Parce que lorsque vous avez, même tout à l'heure, vous avez parlé de... des hommes, des astronomes et autres. Mais souvent, ces hommes-là, pardon, ils sont souvent... en tout cas, nous avons souvent tendance à les refaire... comment dirais-je? Je ne sais pas. Vous voyez la science d'abord. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux êtres humains. Hein? Je prends l'exemple de Daniel. Hein? Quand vous lisez dans Daniel... Dieu dit ceci, il a doté Daniel de la science, de l'intelligence et de la sagesse. On ne savait que Daniel était un prophète, mais Dieu l'a doté de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Tu vois ça? Donc tout ça, Dieu l'a donné, le premier scientifique c'est Dieu. Le premier scientifique c'est Dieu. Dieu est le premier scientifique, c'est lui qui créa l'homme. Il crée l'homme, vous voyez? Le premier scientifique c'est Dieu. Et c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans la Bible, il y a des données scientifiques. Nous devons confronter les données de la Bible aux données scientifiques. Et nous allons trouver pas mal de choses. Je vais vous donner un exemple très pratique. Si vous partez dans la Bible, par exemple, la personne qu'on appelle Enoch. Je parle du calendrier. Vous connaissez l'inventeur du calendrier? L'inventeur du calendrier se trouve dans la Bible. La personne qui a inventé le calendrier se trouve dans la Bible. Et tous les scientifiques le savent très bien. C'est Enoch. C'est lui qui a inventé le calendrier. Mais quand vous partez dans la Bible, on va vous dire qu'Enoch a fait 365 ans. Enoch, il a fait 365 ans. Après, il est parti au ciel. On a enlevé justement, Enoch aussi avait écrit. Il a écrit. Justement, ces écrits-là ne sont pas dans la Bible. Bon, je sais. On mentionne le nom d'Enoch, mais... Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Mais pourquoi on trouve cette date dans la Bible? 365 ans. Or, nous savons très bien qu'une journée, une année a 365 jours. Et les scientifiques, en voyant ça, ils sont allés plus loin. Et en fait, ils ont compris que c'est Enoch qui est l'auteur du calendrier. C'est lui qui est l'auteur. Vous nous conseillez du coup de lire les livres d'Enoch aussi pour savoir bien, tout ce qui... Bon, lisez les livres d'Enoch. Quand vous lisez les livres d'Enoch, vous allez découvrir pas mal de choses également là. Ouais. Et Enoch, il était le septième patriarche. Et quand vous prenez 7 fois 366 là, ça vous donne 2554 ans. 2555 années. C'est là que même j'ai découvert que dans la Bible, on a l'année de la mort de Papa Simon Kimbang. C'est Daniel qui nous a donné ça. Dans mes recherches, j'ai trouvé que dans la Bible, Daniel nous a donné l'année de la mort de Papa Simon Kimbang. Dans cette même Bible, nous avons le jour de la naissance de Papa Simon Kimbang. Tu vois ça? Dans un calendrier, ça nous sert à quoi? À connaître les dates que les événements de passé ont eu lieu, les dates qui se passent aujourd'hui et les dates qui peuvent passer dans l'avenir. C'est très important d'avoir un calendrier. Aujourd'hui, si vous posez la question à toute l'humanité, nous sommes à quel moment de l'histoire de l'humanité? Plaçons-nous, nous sommes à quelle époque? Les gens ne savent pas. Mais moi, je dis, maman, que le cycle a changé. Nous sommes passés, l'ère chrétienne a fini. L'ère chrétienne est finie plutôt. L'ère chrétienne est finie. Nous sommes entrés dans une autre ère. Les scientifiques, ils parlent de l'ère du Verseau. Mais du point de vue religieux, c'est l'ère du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant? Donc les scientifiques et les religieux se rencontrent. Mais il n'y a pas un débat entre les scientifiques et les religieux. Il faut qu'il y ait ce débat-là. Puisqu'ils ont fait des recherches qui montrent qu'effectivement, on est entré dans un autre cycle. On est entré dans une autre ère, qu'on appelle l'ère du Verseau dans les scientifiques. Mais c'est les religieux, c'est l'ère du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Or, Papa Simon Kimbang, qu'est-ce qu'il s'interdit actuellement? Or, tu commis tant ou tata Simon Kimbang. Vous voyez? Tu commis la tant ou Papa Simon Kimbang. Donc, le monde va connaître un tournant. Et nous sommes entrés depuis longtemps dans l'ère du Saint-Esprit. Oui? Mais si vous ne suivez pas les scientifiques, on risque nous aussi de ne pas... Les scientifiques sont en train de suivre l'histoire de l'humanité. Ils se comprennent que nous sommes arrivés à telle époque.
Et l'époque où nous sommes arrivés, nous devons faire très attention. Les religieux, ils se donnent à la Bible. Mais parfois, ils n'arrivent pas à interpréter certaines données qui sont dans la Bible. Alors Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques d'analyser ces données et de comprendre à quel moment nous sommes entrés, nous sommes dans cette époque-là. Mais par exemple, donc si nous négligeons les scientifiques, d'un côté, c'est-à-dire que Dieu a fait la science pour nous aider. Les premiers scientifiques, c'est Dieu. Mais par exemple, et tout ça, il faut suivre. Si vous ne suivez pas, je vais vous donner un exemple, par exemple. Aujourd'hui, dans la Bible, on dit que nous tous, nous venons d'Adam. C'est ça, nous, dans la Bible. Je vais vous montrer comment les scientifiques sont arrivés à ça. Ils ont vérifié les données qui sont dans la Bible. Les génétiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un travail louable. Puisqu'ils se sont référés à la Bible. Quand on nous dit que nous tous, nous avons un même père et une même mère. C'est Adam et Ève. Maintenant, il fallait dire, mais comment les hommes blancs sont sortis? Comment les noirs sont sortis? Tout le monde est sorti. Ils ont dit, bon, on doit faire des recherches. Et les généticiens ont fait des recherches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les gènes de chaque individu qui s'en a des 5 continents. Ils ont fait des gènes en Afrique, ici en Europe, dans les 5 continents. Ils ont utilisé tous ces gènes-là. En fin de compte, c'est quoi? Ils ont retrouvé que tous ces gènes-là viennent d'un gène ancestral qui se trouve en Afrique. Donc, tous ces gènes-là viennent d'un gène commun, qui est notre ancêtre qui se trouve en Afrique. Donc, dans ce cas-là, ils donnent raison à la Bible de dire que les hommes sont nés d'un seul ancêtre commun qui est notre Adam. Vous avez justement parlé, papa, de la Bible, ouais. Et vous nous avez parlé que vous avez découvert justement la date de la mort de papa Simon Kimbam. Dans la Bible, pouvez-vous juste nous donner justement dans quel verset, et si nous aussi nous pouvons chercher, essayer de comprendre, donc, de vous rapprocher de... Il faut aller dans Daniel, il faut aller dans Daniel, quand vous partez dans Daniel, vous allez trouver ça. Vous savez que Daniel, c'était... Quand Dieu a dit qu'il a investi dans de la science, de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de choses qui s'est passées à Babylone. Daniel, il a révélé les songes de Nabucodonosor. Le premier songe de Nabucodonosor. C'est lui qui a révélé ces songes-là. Et il a expliqué ces songes-là. Et quand vous suivez l'histoire de Daniel, vous allez bien comprendre. Il lui expliquait, il a vu une statue. Dans cette statue, il y avait la tête, le pied, tout ça. Il y avait 4 membres qu'il a décrit cette statue-là. Et ces 4 membres-là, dans l'explication, puisque le roi n'arrivait pas à avoir l'explication, il a demandé même aux astrologues, à tout ce monde, on lui a dit, nos personnes, ça se trouve dans la Bible. Mais en fait, c'est Daniel qui a donné la révélation, qui Daniel a révélé ces songes-là à Nabucodonosor. Et Daniel a dit que ce n'est pas moi. Au ciel, il y a un révélateur qui m'a révélé ces songes-là. Or, le mot révélateur, une fois traduit en dico, signifie qui manque. Maintenant, c'est là que j'ai compris que Daniel est en train de nous situer l'avenir de papa Simon Kimbam, mais sans que les gens le puissent comprendre. Un jour, si on aura une table, je vais vous expliquer ça, mais c'est un peu plus long, quoi. C'est-à-dire que, à partir de là, les rois de Nabucodonosor, puis c'est lui la tête, il y avait 4 empires qui devaient se succéder. Il y a l'empire des Chaldées, il y avait les Perses, il y avait les Grecs et les Romains. Tu vois, 4 empires. Et ces 4 empires décrits dans Daniel, ça représente le corps de cette statue-là. Et Daniel, à la fin, dit ceci. Après tous ces empires-là, il y aura un empire. Dieu va susciter un empire qui ne sera pas détruit par un autre peuple. Tu vois? Et quand cet empire-là va commencer à régner, tous ces empires du monde seront écroulés. On ne verra même pas la trace qu'ils existaient. Tu vois ça? Alors, Nabucodonosor est monté sur le trône, de la Chaldée, en 602. Je me rappelle, c'est en 604 qu'il est monté sur le trône de Babylone. En 604. Or, Daniel nous a donné donc 7 ans ont été accordés à ces empires-là. 7 ans. Accordés à ces empires-là. Donc, il fallait trouver maintenant les termes de la fin de ces empires-là. Et quand il prend 7 multiplié par 365, puisqu'une année a 365 jours. De 365 jours, on le reconvertit en année. Ça fait 365 années. Quand tu prends les 7 ans qui ont été accordés au roi qui devait se succéder, les 4 royaumes-là, les 4 empires-là, nous avons dit Chaldée, Perse, Romain, Grec. Donc, tu multiplies 7 de ces temps-là, multiplié par 365 ans, ça vous donne 2555 ans. Vous voyez? Or que les songes-là, que Daniel a révélé pour le roi de Nabucodonosor. Le roi de Nabucodonosor est monté sur le trône en 604. Maintenant, il faut trouver les termes. Voilà. Puisqu'il s'agit de lui. La tête, c'est lui. Donc, maintenant, si tu prends
2555, moins, puisque le roi il régnait 604 avant Jésus-Christ, moins 604 avant Jésus-Christ, tu vas trouver 1951. Et lui dit dans celui qui a pris cette année-là, tous les royaumes, donc c'est-à-dire que Dieu va mettre fin au royaume de la terre. 1951. C'est à partir de 1951. Mais, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite là, quand quelque chose arrive, ce n'est pas tout de suite là. Donc, les choses ont déjà commencé. C'est pour ça que Papa Simon a dit qu'il viendra un roi divin. Papa Simon a parlé d'un roi divin. Il viendra un roi divin qui va prendre le pouvoir. Ce roi divin, il est presque là. Mais les temps sont à compter. Les temps sont à compter. Tu vois? Et s'il va plus loin, il a donné même le jour de la naissance de Papa Simon qui manque. Se trouve dans la Bible. Mais ça, on va le montrer un jour. Quand tout ça dans Daniel. Dans Daniel. Dans Daniel, il a donné le jour. Je vais vous donner encore un exemple. Un autre exemple, par exemple. Les savants, ils étaient à la recherche d'un cycle. Un cycle, c'est un espace de temps qui fait harmoniser différentes révolutions célestes, telles que le soleil et la lune. C'est ce qu'on appelle un cycle. Tu vois ça? Les savants actuels, ils étaient à la recherche d'un cycle parfait. Ils ont trouvé le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Ils étaient à la recherche d'un cycle parfait. Tous les savants du monde. Ils se sont dit non, ce cycle-là n'existe pas. Ça n'existait pas. Après, il y avait un parmi ces savants qui lisait beaucoup la Bible. Il va dans Daniel, il trouve un chiffre, 2300 jours. Il prend ces chiffres-là, il décompose les chiffres, il va plus loin. Il trouve que ces chiffres-là contenaient un cycle, le cycle parfait que les savants cherchaient. Il a fait les calculs, ça tombe exactement. Il dit non. Mais comment Daniel a pu trouver ce cycle dans la Bible? Ces savants d'aujourd'hui, je vous parle des savants d'aujourd'hui. J'ai les livres avec moi. C'est les savants d'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, tous les savants connaissent ça. Ils appellent ça des cycles danieliques. Il dit, mais qui a révélé à Daniel ce cycle-là? C'est un cycle solaire qui fait la combinaison entre la lune, le soleil et les jours. Tu vois ça? C'est un cycle parfait. Alors, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé. Mais ils se posent la question, comment Daniel a pu trouver ces chiffres-là dans la Bible? Qui lui a donné l'indication de ces chiffres-là? Vous voyez? À partir d'un chiffre, ils ont fait des calculs, ils ont trouvé ça. Les chiffres, c'est 2300 jours. Mais à partir de 2300, ils ont composé avec 315. C'est un calcul qu'on peut faire là-dedans. Et à partir de là, je dis que voilà, exactement, Daniel a trouvé le quatrième cycle qui est à notre recherche. Donc moi, quand je vous dis par exemple que les jours de la naissance de Papa Simon Kimbongo, c'est un chiffre que Daniel a donné qui se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Mais les jours viendront, quand je vais prendre avec un stylo tableau, je vais vous montrer comment on est arrivé à ça. Ouais, super, merci papa. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Ouais. Avez-vous un dernier mot, en tout cas, à adresser à tous les jeunes? Parce que, comme vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes le président de l'Union des jeunes kimbanguistes, ouais, ici dans la paroisse de Paris Saint-Denis. Pouvez-vous justement donner des conseils, ou en tout cas expliquer aux jeunes en quel temps nous sommes maintenant et justement l'importance des recherches, de savoir qu'est-ce que les papas ils sont en train de nous dire. Et Papa Simon Kimbongo lui-même qui nous dit et nous parle directement actuellement, qu'est-ce qu'il nous dit et comment on peut faire justement le lien avec ces mots et les recherches que nous devrions nous mettre à faire dès à présent. Je vais seulement encourager tous les jeunes kimbanguistes. Quand Papa Danguina disait que les jeunes faisaient des recherches, ils savaient en profondeur qu'il y avait quelque chose. Dieu peut révéler à toute personne ses secrets, même à un non-kimbanguiste. Mais en tant que jeune, Papa nous a dit d'aller faire des recherches. Donc, continuons dans la recherche. Il y en a plein d'études que nous allons trouver. Vraiment, pas mal de choses. Et la recherche, vraiment, ça avance même un pays. Aussi en Europe, c'est la recherche qui avance un pays. Grâce aux recherches, les Européens sont avancés. Mais si nous ne faisons pas des recherches, comment nous voulons qu'on avance? Il faut chercher toujours. Les recherches, il faut les mettre vraiment à la table. Faisons des recherches. Ça va nous aider dans pas mal de choses. C'est comme ça qu'on va se découvrir. Dieu a dit, Papa Danguina disait que Bamende le Bazoa, un tiers. Bis toujours, combien de cas? Quatre. Trois quarts. Mais trois quarts toujours là, mon Danguina. Et cela montre dans un tiers de Bamende le Bazoa, surtout le quatre, tout le monde peut m'en faire. Donc, on peut nous imaginer que l'ère chrétienne est finie. Ça, je vous le dis, l'ère chrétienne est finie. Et le pape Pie XII a annoncé même l'ère de Papa Simon Kimbongo. Pape Pie XII, il a annoncé l'ère de Papa Simon Kimbongo. Les scientifiques l'ont compris. Et aussi de comprendre. Mais les autres n'ont pas compris. Il a porté le masque.
Le pape Pie XII a annoncé l'aide de papa Simon Kimbangu. J'ai des documents avec moi. Il a annoncé en 1951, mais les gens ne savaient pas ça. Puisque le pape Pie XII, papa Simon Kimbangu est mort sous le pontificat du pape Pie XII. Quand le pape Pie XII était pape, papa Simon Kimbangu est mort à ce moment-là. Mais pourquoi le pape Pie XII a pris le chiffre 12? Posons-nous la question, pourquoi le pape Pie XII a pris le chiffre 12? Et pourquoi papa Simon Kimbangu est mort le 12? Il est né le 12. Et pourquoi on a 12 heures? Pourquoi on a 12 heures? À travers même une montre, je peux démontrer ça. À quel moment nous sommes libres? Donc, si je prends une montre avec moi, je vous dis qu'on est actuellement, le monde, on est situé entre 11 et 12 heures. On est là. Le monde est dans cette étape-là. Entre 11 heures et 12 heures. C'est l'étape, c'est la 12e étape de l'histoire de l'humanité. Et cette 12e étape, c'est le moment où papa, c'est le moment où il est né les 12, il est mort les 12. Et le pape Pie XII a pris les chiffres 12. Il savait pourquoi il a pris le chiffre 12. Puisque nous sommes à la 12e étape de l'histoire de l'humanité. Donc, si vous prenez votre montre, nous, on est entre 11h et 12h. Et donc, les boucles vont se fermer. Le cercle va se fermer. Il nous reste. L'importance de connaître justement voilà. La vraie personne. C'est ça. Papa Simon Kimbangu. Et là, je vais vous montrer ça scientifiquement. Qui est Papa Simon Kimbangu? Comment Papa Simon est en train de jouer avec les scientifiques? Dans des chiffres même. Il y a pas mal de choses qu'on peut apporter pour vous montrer. Voilà, papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire que c'est ça tout simplement. Donc, papy XII nous a annoncé l'ère de papa Simon Kimbangu d'une façon masquée. Que les hommes de science, même certains hommes de science, n'ont pas compris. Il dit, mais comment un pape peut utiliser un langage comme celui-là? Alors, lui-même, il savait ce qu'il a dit. D'accord. Donc, maintenant, il faut faire des recherches pour démontrer. Voilà, il a dit ça. Il a fait un discours le 15 octobre 1951. Papa Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951. Le pape, trois jours après, le 15 octobre, a fait un discours. Et dans ce discours-là, il l'a fait par l'intermédiaire de son secrétaire d'État à Fatima. Et ça, c'était... tout était compris. Oui, tout était compris. Mais tout ça, ça viendra avec le temps. Si on va faire une autre émission, c'est là où on va essayer de vous expliquer comment on arrive à ce point-là. D'accord. Merci beaucoup, papa, en tout cas, pour cette intervention. Voilà. Et nous, on arrive à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nos prochaines publications. Et surtout de consulter aussi la barre de description pour plus d'informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires, dans les commentaires directement, ou directement à nous contacter. Et si vous avez des questions pour notre papa intervenant d'aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à les mentionner directement dans les commentaires ou encore de prendre contact avec nous et nous vous aiderons justement à vous mettre en lien et en connexion avec notre intervenant d'aujourd'hui. Et si nous avons peut-être la chance pour la prochaine fois de le recevoir encore et nous poursuivrons sur toutes les questions qu'il a pu aborder aujourd'hui et donner peut-être plus de détails. À la caméra, nous avons papa Nadi Kouzoulou et papa Gomez Kilolo et au micro maman Kevin. Nous vous remercions en tout cas pour votre attention et nous nous retrouvons à la prochaine. Un grand merci à lui-même, papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité et le patron de la 4e génération. Merci encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.